Je connais l'ampleur de ce que je veux dire. J'ai fait un songe cette nuit. Les songes étaient comme ceci. Gardez ceci et rappelez-vous de ça à tout le monde. Dans le songe, j'étais assis quelque part. J'étais habillé en veste, en veste de couleur cramoisie. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément quelque chose comme les grises. Et il y avait la voix de Satan qui retentissait, qui se faisait attendre. Et les gens étaient en train de lui dire, bon, je ne sais pas avec qui il était en discussion, mais les gens lui disaient, sors, toi on ne peut pas te suivre, tu es un aventurier. Il a répété deux fois, je ne vous parle pas d'un démon, je ne vous parle du diable. Il a répété deux fois, vous êtes en train de dire que moi je suis aventurier. N'est-ce pas Kamani aussi c'est un aventurier, on travaille avec lui. Kamani c'est un aventurier, je travaille avec lui, vous ne savez pas? Et je n'ai même pas fait attention à ça. Après, je me suis tenu debout. Et je suis parti là où je devais partir. Attention à vos oreilles, bien-aimés. Attention à vos oreilles. Chaque fois que j'ai subi une attaque de plus grand niveau. Je ne sais pas, cet homme, ce garçon de Satan, qu'est-ce qu'il a toujours cherché avec moi? J'ai subi des chocs dans la vie que lui m'a imposé. Et je bénis le Seigneur puisque je suis toujours sorti victorieux. Et je n'ai jamais baissé les bras. Faites attention. Je ne sais pas ce qu'il va manigancer. Je ne sais pas ce qu'il va mettre sur la place publique à mon nom. Mais quand ces choses vont arriver ou pas, dites comme Jésus a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici pourquoi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le lion et sur l'escorpion. Je ne sais pas en quoi encore je l'ai dérangé. Qu'il a besoin de me salir. Je vous l'ai dit et je vous préviens, étant la famille la plus proche, étant d'abord la première personne à qui ces choses peuvent affecter. Je suis habitué, moi. Oh. Moi, j'ai une dose pour ça. Mais peut-être vous, quand on viendra monter une histoire qu'on ne connaît pas d'où elle est sortie, d'où elle est venue. Ah, les gens vont dire, Kamani, tu nous as trahis, tu nous as déçus. Non, je ne vais pas vous décevoir. Je ne vais pas vous trahir. Je sais que je suis un humain, je suis faible. Priez pour moi. Et l'ennemi est derrière moi, il veut salir de partout. Il veut donner un autre nom que je n'ai pas et qui n'est pas de moi. Savez-vous ce que veut dire la couleur de la cramoisie? Allez consulter la prophétie. Je vais me permettre. Merci. Nous allons prier encore et encore pour ça. Soyez là et que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur soit votre guide. Je veux me permettre de dire à tous mes bien-aimés congolais, la paix n'est pas pour demain.
2023, cette année donc, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Ces 5 ou 6 années qui sont devant nous, elles seront encore instables. Les 5 années qui sont encore devant nous, elles seront instables. Après viendra une période de 5 ans, d'un peu d'accalmie. Après viendra une période de 2 ans. Les 2 ans que j'ai dit ici, c'est prophétique. Je vous parle de 5 pour juste comprendre. 5, ça fait 15 juin 2023. Je vais publier ce que je dis là, de moi à la voix. Les 5 ans qui sont devant nous, de 2025, 26, 27, 28, ce sont des années qui ne seront pas stables sur 3 grands axes. Sécuritairement, l'insécurité va continuer. Politiquement, notre politique sera instable. Économiquement, l'économie ne va pas, il n'y aura pas d'improvement. Le social, il n'y aura pas d'improvement. Et nous allons faire une penche. Elle va continuer. Il y aura beaucoup de fissures entre nous. Je vous parle de 5 ans. Après les 5 ans, c'est-à-dire 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, une petite puisque ici, dans cette période, il y a quelque chose qui doit être fait économiquement. Suivez-moi ce que je suis en train de vous dire, je parle en prophète. C'est que ce qui est en train de se passer, c'est la volonté de Dieu pour quelque chose. La lumière viendra. La lumière viendra au moment où personne ne s'y attend. Et par le moyen de personne, le moins entendu. Je vous préviens déjà. Je vous parle de 10 ans à venir. Mais je vous épargne de 10 encore. Que Dieu me fasse grâce, je vais avoir 2 livres que je vais donner à 2 chefs d'État. Celui de 2023, de 2024 à 2028. 2028 ou 29. Et celui de 2029 à 2030 quelques. Les 2 garçons ici, ils me doivent. Je serai là, je vais voir. Non, le fissure entre le peuple. Le fissure du tissu social de la population. Le tribalisme va continuer à prendre de l'ampleur. Les Congolais vont chercher à s'asseoir, à parler. S'asseoir, parler.
La politique ne fera que tourner comme ça. Après viendra la main de fer. Pour 2 ans. Les 2 ans dont je parle sont prophétiques. Merci, Maman Louvia. Ah. 2 personnes dans l'union sacrée vont aller en solitaire. 2. 2 grandes figures de l'union sacrée vont aller en solitaire. Prenez ce que je vous dis. L'un va être attaché à l'Église catholique. L'un va être indépendant. 2 grandes figures de l'union sacrée vont aller en solitaire. L'un va s'attacher à l'Église catholique. Et l'Église catholique lui donnera raison. L'Église catholique sera avec lui. L'autre quel que soit ce que fera Kabila, le peuple ne va pas l'aimer. Voyez tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, Kabila est Shinarambo, Shinarambo. C'est qu'on lui a collé, même quand il va faire des œuvres comme un ange. Je pense que c'est sa croix pour toute la vie. Quels que soient tous les bienfaits que Kabila fera, puisqu'il fera de très bonnes choses. Mais, dans un premier temps, les gens vont faire semblant d'être avec lui. Et après, il va beaucoup chercher à maintenir des choses. En faisant le bien, mais on ne va pas toujours l'aimer. Qu'il le sache de partout où il est. Lui et le Ouin, 2 personnes qui ne seront pas aimées ni appréciées. Quand les gens parlent du Ouin, ils parlent de comme s'ils étaient en train de parler du Messie qui va descendre. C'est un homme dans la chair, revêtu seulement de la puissance de Dieu. Mais le 2 là, l'homme de Dieu s'arrête par là. Ainsi parle l'esprit des prophètes aux prophètes. Ainsi parle l'Éternel à son peuple. Que cela soit écrit et accompli. Que les choses que je viens de dire soient scellées par mon Dieu. Et qu'elles soient acceptées au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi, je le dis à Lingala pour une large diffusion. 5 ans au Eza Liboso, à partir de l'année prochaine, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Congo et Gozana Kimiate. Kaka Nenge Zali, le Longue Kokotu.